Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ça va être sur les runes. Et je ferai un tirage sur le premier tour des élections présidentielles. Voilà, comme on est le mardi 5 avril, donc on est à 5 jours voilà, des élections. Et je vous ferai ça un peu plus tard. Et je vais utiliser les runes pour vous faire ce tirage, ainsi que le pendule, voilà. Donc, toujours pareil, un petit tapis foncé dessous, une petite pochette où vous rangez vos runes, hop, un petit encens, donc je vais l'allumer, en demandant à mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes ancêtres, de protéger ce tirage et de me protéger moi-même. Voilà. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi allumer de la sauge blanche. Vous pouvez aussi allumer du bois de santo, du palo santo. Voilà. C'est du bois de senteur en fait. Ça sent très bon. Moi, c'est ce que j'utilise pour purifier voilà, mes cartes, la maison, les pendules, tout ça. Donc, une petite bougie. Alors, attendez, je la rapproche un petit peu. Voilà. Que vous allumez pareil en demandant à ce que ce tirage soit protégé et vous que vous soyez protégé. Donc ben, je vais vous présenter les runes. Donc je me suis offert des petites pochettes pour mettre mes runes et mes cartes. Donc j'ai acheté ça sur un site qui commence par A qui se finit par OM. Je les ai payées, il me semble, 4 euros et quelques les pochettes. Donc j'ai fait un lot, hein, j'en ai acheté 6. Il me semble, parce qu'il y avait une promotion en plus dessus. Donc voilà, pour ranger mes cartes, qui les boîtes étaient très abîmées. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà, donc elles sont très jolies, très solides, très épaisses. Par contre, elles sont un peu longues à venir. Donc, voici les runes. Alors c'est bien, j'ai tiré la meilleure du jeu. Donc moi, je les ai faites en pierre ramassée sur la plage. Voilà, c'était à La Rochelle. Voilà, j'étais partie en vacances là-bas. Et j'en ai ramassé... alors, il me semble que c'est 25. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais les recompter. Voilà. Et puis, j'ai pris un marqueur. Et hop, voilà, j'ai fait le dessin des runes. Tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser aussi du bois. Les runes, c'est bien de les faire en matière naturelle. Donc je sais que moi, mon premier jeu de runes, je l'avais acheté, hein, j'étais jeune, il était en plâtre, donc, et en fait ça se cassait, c'était plutôt fragile. Donc là pareil, hein, j'en ai une qui s'est cassée, là je vais bientôt la remplacer, voilà, mais c'est quand même un peu plus solide qu'en plâtre. Donc vous pouvez les faire en pierre, la pierre de rivière aussi, hein, voilà. Des petites pierres, des petits galets que vous trouvez au bord de la rivière, voilà, vous les prenez. Alors moi j'ai fait au marqueur, vous pouvez faire à la peinture. Si vous avez des petits bouts de bois, des petites bûchettes de bois que vous achetez aussi, des petites bûchettes de bois rondes, j'ai vu ça, ça devait être dans les magasins de déco. C'est pas très très cher le sachet, ça va être 2-3 euros. Et vous pouvez prendre un pyrograveur si vous avez, ou sinon voilà, avec de la peinture, un feutre, indélébile. Voilà, vous dessinez les runes. Il y en a une qui est blanche. Voilà, qui est toute blanche. Et il y en a qui sont à l'endroit et à l'envers. Donc ça, c'est très important parce que je vois beaucoup sur les sites de prédiction des runes pour savoir leur signification, où il n'y a pas marqué endroit et envers. Alors que, bah si, il y a certaines runes, elles se lisent à l'endroit, d'autres qui se lisent à l'envers. Vous voyez, donc j'ai fait un petit trait, moi. Pour savoir endroit envers, parce qu'il y en a certaines, voilà, faut deviner. Hein. Voilà, celle-ci aussi. Donc là, c'est à l'endroit. Donc j'ai un petit trait en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, c'est à l'envers. Le trait est en haut. Bon, il y en a certaines, hein, c'est facile. Voilà, c'est une flèche. Donc ça, c'est à l'endroit. Voilà. Et il y en a qui. Ça, c'est endroit. Ça, c'est envers. C'est la cano, celle-là, elle s'appelle cano. Donc, celle-là se lit dans les deux sens. C'est pareil. Voilà. Celle-là, pareil. Elle se lit dans les deux sens.
Donc, je vais vous donner le nom d'un site pour justement lire les runes à l'endroit et à l'envers. Alors, vous tapez sur le site internet signification des runes, endroit et envers. C'est très important. Signification des runes, endroit et envers. Vous recherchez. Et là, vous allez tomber. Normalement, c'est le premier qui s'inscrit. Ça s'appelle les runes, interprétation, carte divinatoire. Et juste devant, il y a une espèce de petite balance de justice. Voilà. Donc, c'est le premier normalement qui s'affiche. Quand vous avez tapé signification des runes, endroit et envers, le premier qui s'affiche tout en haut. Mais bon, des fois, ça peut changer. Il y a une petite balance devant de justice. Et c'est marqué les runes, interprétation, carte divinatoire. Vous cliquez dessus et là vous aurez la signification. Déjà vous aurez les dessins des runes hein, pour toutes les faire. Et je crois qu'il y en a 25, je vais recompter. Et vous avez les significations à l'endroit et à l'envers. C'est très important. Donc j'en ai combien? J'en ai 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est bon, je sais toutes. Donc, il y en a qui disent qu'il faut les mettre dans le sachet, il faut les mélanger avec les mains, voilà, comme ça, dans le sachet. Vous tirez la rune et vous la mettez devant vous. Moi, je n'aime pas, tout simplement parce que déjà, je les connais à peu près avec leur forme. Donc, quand je vais la poser devant moi, je saurai à l'endroit ou à l'envers si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que je sais le sens et je sais à peu près ce qu'elles veulent dire. Donc, moi, je les retourne comme ça sur mon tapis, je les sors. Voilà, je les mélange comme ça avec ma main, mes mains, voilà, tranquillement, voilà, comme ça. Je pose ma main dessus. Donc, alors, attendez, je vais les pousser un petit peu pour vous montrer les différents tirages. Voilà. Je pose ma main dessus et je pose une question claire, nette et précise. C'est-à-dire pas deux questions en une. C'est très important. Par exemple, je ne sais pas, je vais demander, par exemple, est-ce que... qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Donc je pose ma main, dessus comme ça. Je pense très fort à ma question. Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Et je tire trois runes. Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Est-ce que mon papa va bientôt déménager? Voilà. Donc les trois runes, c'est passé, présent, futur. Ça s'appelle le tirage des Nornes. Donc c'est un tirage en fait, c'est le premier tirage qui a été fait avec les runes. C'est le tirage des Nornes, c'est le tirage de la déesse nordique, passé, présent, futur. Les runes, ça vient de l'Islande à la Scandinavie, hein, les Vikings. Ce qui est dessiné dessus, c'est l'écriture viking, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est très bon d'avoir un support naturel, parce que c'est vraiment un tirage qui date, voilà, d'il y a très, 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 très longtemps. Donc, voilà, je vais faire celui-là, c'est le plus simple, plus rapide. Donc, vous les mettez comme ça, face à l'envers. Dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut prendre des pierres qui sont quand même dans le sens allongé. Hein. Parce que si vous vous retrouvez avec une pierre ronde, vous ne saurez pas quel sens. Vous voyez, celle-là, par exemple, il va falloir que je la refasse parce que je ne sais pas si je l'ai mise à l'endroit ou à l'envers. Je la retourne. Hop, hop, hop. Bon, ben voilà. C'est bon, j'avais mis dans le bon sens. Donc, le passé. Donc, moi, je me suis fait pareil, une petite fiche comme ça. Voilà, je l'ai faite moi-même, hein. J'ai été voir sur internet sur le site que je vous ai dit. Et puis j'ai fait à la machine, et voilà, j'ai écrit un peu, rajouté à la main, pour avoir les significations. Donc, moi je les connais un petit peu, hein. Donc, ça c'est le passé, c'est un changement, une mutation. Mais c'est dans la longueur, endurance. Donc, en effet, là, il a déjà déménagé il y a quelque temps. Mais voilà, c'est. Ça veut dire que là, dans le passé proche, c'est en train de muter, c'est en train de se mettre en place, ce nouveau déménagement.
Présent, alors ça c'est la rune blanche, alors celle-là elle n'a pas vraiment de signification, c'est-à-dire qu'elle est positive ou négative selon les runes qui sont à côté. En fait, ça veut dire vraiment, donc si je retourne mon petit papier, c'est à vous de choisir votre voie, vous prendrez la bonne ou la mauvaise décision, irréversible et inévitable. Tout peut arriver. Généralement c'est un renouveau, c'est vraiment la rune du renouveau et d'un changement brutal. Donc ça c'est le présent. Et le futur, alors c'est marrant, parce que vous voyez le signe là, c'est le signe de l'infini, en fait. Donc c'est pareil, c'est un signe de renouveau. Réalisation des souhaits, vous trouverez des solutions à tous vos problèmes, c'est un changement et un renouveau aussi. Donc vu que celle-là, elle devient ce que sont les autres à côté, ça veut dire que oui, il va déménager, oui, il y a un changement dans un futur proche, et ça va être vraiment un renouveau pour lui. Très positif. Voilà. Vous voyez, c'est un tirage simple. Hein. Donc, je remets les runes. Voilà. Je vais vous faire un autre tirage qui est très simple aussi. C'est le tirage du marteau de Thor. Donc, le Thor, c'était le dieu du tonnerre, le fils d'Odin. Et ce tirage-là est un petit peu plus... approfondi. Voilà. Donc, dans celui-là, il y a 5 runes. Donc, pareil, vous mélangez comme ça, tranquillement. Alors, il n'y a pas de sens. Pour les runes, pas besoin de tirer de la main gauche hein, ou de la main droite. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça marche bien. Voilà. Donc, là, je vais demander pour ma sœurette, parce qu'elle est en pleine mutation, pareil, au niveau de sa vie professionnelle. Donc, elle a envie de changer. Donc, je vais demander pour ma sœurette, est-ce que elle va changer de métier? Voilà, est-ce qu'elle va changer de métier dans les années à venir hein? Bien sûr, il n'y a pas vraiment de limite de temps, mais... Est-ce qu'elle va bientôt changer de métier? Voilà, on va poser cette question-là. Est-ce que ma sœur, je pense bien à elle, dans ma tête. Voilà, je la visualise comme je la connais. Voilà, je la visualise, je visualise son visage. Et je demande, est-ce qu'elle va changer dans le milieu professionnel? Donc là, je tire 5 runes. Une en bas. Est-ce qu'elle va changer au niveau professionnel? Est-ce qu'elle va changer au niveau professionnel? Elle va changer au niveau professionnel, ma sœurette. Voilà. Donc ça, c'est la rune des influences autour de la question de la personne. Quelles sont ses influences autour d'elle, actuellement? Ça, c'est les influences qui sont contre elle. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer au milieu professionnel? Ça, c'est des influences très positives qui sont pour elle. Donc, elle va être très contente. Donc, ça, c'est les influences qui sont pour elle. Ça, c'est le résultat, la résolution. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, oui, ben là, c'est vraiment la mutation. But atteint. Donc, non, alors attendez, c'est pas but atteint, celle-là, c'est l'autre, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. Changement et mutation dans la vie. Donc, vous voyez. Et ça, c'est le blocage. L'évolution future, donc ça va pas se faire tout de suite. Hein. Donc, sœurette, si tu m'entends, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vais relire les runes et je vais dire les significations. Donc ça, c'est les influences autour de la question. J'ai demandé, est-ce qu'elle va avoir un changement, une mutation dans sa vie professionnelle? Donc celle-là, je ne vous mens pas. Hein. Je vous lis. Changement heureux, profit, bonnes influences dans les affaires, fertilité. Donc vous voyez, c'est la rune, elle s'appelle Ingus, celle-là. Je ne sais pas si je dis bien, hein, parce que comme c'est une écriture celtique, moi j'ai toujours dit comme ça, Ingus, donc voilà. Donc en effet, les influences autour d'elle, c'est elle a envie d'un changement, et il va y avoir un changement heureux qui va se mettre en place. Les influences contre elle. Donc je vais vous montrer, c'est Turizaz, Sourizaz, il me semble que ça se dit. Voilà. Et elle est à l'envers, vous voyez, elle est dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire conflit, danger, gêne, nuisance. Donc pour l'instant,
Qu'est-ce qui est contre elle? C'est qu'il ne faut pas qu'elle change tout de suite. Voilà. Il y a une sorte de danger, je ne pense pas que c'est un danger, mais il y a un blocage en fait qui se fait. Pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite le changement. Ça, c'est ce qui est contre elle. Les influences qui sont positives pour elle, qui sont avec elle, qui vont l'aider à faire ce changement, en fait, qu'est-ce qu'il y a qui est pour elle? C'est que les résultats vont être positifs. C'est-à-dire que dès le moment où elle va avancer, qu'elle va vouloir vraiment changer, hop, ça sera positif. Ça va avancer, ça c'est ce qu'il y a avec elle. La résolution, le résultat, c'est qu'en effet, donc je vous le montre, c'est celle-ci. Alors attendez, j'essaie de faire le point. AWAS, changement et mutation dans la vie. Endurance, ça va être sur la longueur. Donc le résultat, oui, il va y avoir un changement dans sa vie, il va y avoir une mutation au niveau professionnel, mais ce n'est pas tout de suite. L'endurance veut dire, ça sera peut-être l'année... Moi, je vois l'année prochaine, hein, je l'avais déjà dit. Moi, pour moi, je vois l'année prochaine par rapport au changement. Voilà. Et en effet, l'évolution future, c'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça va être un blocage, une stagnation. Ne rien tenter, serrer les dents, attendre que ça passe et évolue. Vous voyez, c'est Isa, c'est la rune de la glace. Blocage, stagnation, ne rien tenter, serrer les dents, vous voyez, c'est vraiment le mur, quoi. Donc, ça veut dire que dans l'évolution future, c'est futur proche, hein, pour le moment, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Voilà. Il va falloir attendre un peu, mais il y a une évolution qui est en cours. Mais pour le moment, c'est pas ça. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les runes. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt très intuitives. Moi, je trouve qu'elles répondent super bien aux questions. À chaque fois, j'ai une question à poser. Entre les runes et le pendule, mon cœur balance. Mais voilà, les runes sont vraiment très bien pour répondre à des questions. Pas tant pour voir l'avenir, hein. C'est pas, c'est assez compliqué pour faire comme un oracle, mais... Pour répondre aux questions, les runes, c'est super. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Que si vous avez d'autres questions, vous les mettez en commentaire et je vous répondrai. Et j'espère que vous vous mettrez aux runes parce que vous voyez, c'est très simple, très facile et très intuitif. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation à tout le monde. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé et puis de vous abonner parce que j'ai plein d'autres choses à vous présenter. Voilà, bonne journée, au revoir à tous.